C'est la salle des conférences du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui a servi de cadre à ces échanges entre le patron des sports camerounais, le professeur Narcisse Mouelekombi, et ses présidents de club dont le mandat est devenu caduc depuis plusieurs années pour être arrivé à échéance sur instruction du premier ministre chef du gouvernement. Au terme du conseil des ministres tenu à Yaoundé il y a quelques jours, il a été instruit au ministre des Sports et de l'Éducation physique de réunir dans de brefs délais les patrons de toutes les fédérations ayant reçu l'agrément de sa tutelle. Ce processus est souhaitable. Ce processus nous est imposé par les hautes directives du Premier ministre chef du gouvernement afin que celui-ci soit réalisable dans le délai de décembre 2022. Pendant de longues minutes, les échanges tournent autour du lancement du processus électoral au sein des fédérations sportives nationales. Nous nous réjouissons de la bonne tenue des responsables du mouvement sportif national dont les contributions ont permis d'enrichir le travail remarquable fait par nos collaborateurs du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une nouvelle plutôt bien accueillie par certains présidents et qui n'attendaient que cette initiative pour se réorganiser. Plus jamais organisé depuis 2013 une élection au sein d'une fédération à part peut-être à la FECAFOOT. Un véritable ouf de soulagement pour d'autres dirigeants, donc l'expression faciale pouvait traduire à suffire la joie au sortir des 10 travaux. Les informations et les observations que nous avons faites ont été prises en considération dans les recommandations faites par le ministre. Et nous pensons que dans ce sens, nous irons vers un processus électoral apaisé et harmonisé. Vous comprenez ? Il a été évoqué ici. Une question qui était restée en suspens, le ministre a donné des recommandations, à savoir le statut type. Le rendez-vous a été pris dans quelques mois pour le début effectif des concertations dans les démembrements de ces différentes associations sportives civiles nationales afin de boucler en toute quiétude le renouvellement des organes dirigeants de ces différentes fédérations.